Et nous sommes de retour pour notre survie du week-end. Au passage, les chargements sont extrêmement rapides, hein, maintenant. Ça, c'est une bonne chose. Alors, la dernière fois, j'avais dit qu'on devait... genre mettre ça ici. Okay. Donc, on a deux faitous extrêmement bien pour faire de l'eau. C'est surtout un très bon endroit ici aussi, puisqu'on peut mettre 6 emplacements pour faire de l'eau. L'eau, c'est le top de le faire ici. Donc ça, on va le garder. Il faut qu'on réduise un peu notre poids. Je faisais quoi, moi, ici? Je mettais du bois de côté, je crois. Tout déposer, honnêtement. Après, est-ce qu'on a d'autres bois? C'est ça. Très bien, et après on a le charbon. Très bien. Ouais. Oh la balle. Le charbon, oui, non, le charbon on en avait un peu trop, je crois. Je crois qu'on en avait un tout petit peu trop. Alors, on va déposer quelques torches. Ça c'est bien. À la limite on peut faire ça. Les allumettes aussi, on va en déposer. Ça sert à rien d'en avoir autant. De toute façon, on va rester dans le périmètre. L'eau, on en avait déposé. On va continuer à boire ça. Ok, très bien. Donc, on a une tempête qui se prépare. C'est pas grave. De toute façon, en fait, autant avoir une tempête maintenant. Ce qui est... car nous, on va passer surtout notre temps dans les bâtiments. Par contre, je voudrais juste savoir où est le loup. Pour pas tomber nez à nez avec. Ok, très bien. Et à chaque fois, on a chaud dans les bâtiments, donc c'est super. Rien. Donc là, on va passer notre temps à fouiller les bâtiments. Si jamais ça prend trop de temps, je couperai, on va dire. Vous savez, faire une petite ellipse. Mais bon, c'est un peu le début aussi. J'ai envie de dire. Donc, je pense que je vais pas le faire. On va voir. On va aller prendre les champignons. Putain, il m'a fait peur, c'est un lapin, bordel. C'est un lapin. Je suis pas fan d'être dehors là parce qu'avec la tempête on entend quasiment rien. On entend vraiment rien. Je suis sûr que même un ours on l'entendrait pas. Oh, message griffonné. Un souvenir contenant un message de survie. Rappelez-moi de vider ma réserve derrière l'orgue. Elle ne sert plus à grand chose, un peu comme moi. Derrière l'orgue? Ok. Mais il n'y avait rien quand on a vérifié, si? Faut retourner dans la... dans l'église, alors. Non, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. L'église est un peu loin. Donc, on verra ça plus tard. Honnêtement, ça se passe bien du coup, hein, parce qu'on est à Milton, donc c'est assez tranquille.
tissu. Jamais utiliser le couteau hein, pour découper le tissu, parce qu'entre 10 et 8 minutes, il n'y a pas grand chose de différence. Donc, économiser le couteau. J'avoue qu'une chose qui serait bien, ça serait de récupérer un ouvre-boîte. Oh, du café. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Très très bon le café. Très très bien. C'est plaisant de se relancer dans The Long Dark, surtout avec des nouveautés en fait, mais vraiment des nouveautés de genre partout. Ah oui, l'eau aussi, on va en avoir plein. Ouh, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'on va avoir plein d'eau. Et c'est vrai qu'on a aussi de la chance pour le pied de biche, on a un pied de biche. Ce qui va nous permettre d'ouvrir, bah voilà, de forcer en fait tous les coffres ou les casiers comme ça. C'est vraiment sympa. Par contre, un truc que je ferai, parce que je crois pas que ça soit sur la carte du monde encore, c'est la nouvelle zone. Je sais pas exactement comment on y va. Du café, c'est très bien. Je crois pas qu'elle est sur la carte du monde aussi. Canyon des Sangles, Black Rock. Il y a aussi le Canyon des Sangles, il faudra y retourner. Civilisation autour de côtière, Muskeg, voie ferrée détruite. Je crois pas. Hein. Non. Ouais, il y a le Canyon des Sangles. Je crois que c'est au Canyon des Sangles où on a le. Qu'est-ce qu'on a au Canyon des Cendres? Je crois que c'est le plus intéressant. Le Canyon des Cendres, c'est... Le sac, je crois. Le sac à dos des montagnes ou un truc comme ça. Ah non, les coffres. Ah non, j'aime pas faire les coffres. Ah putain, c'est quoi, 11? 10. Putain, 16, je crois. Je réagis pas assez vite à chaque fois. Donc ouais. Ah, maintenant ça ouvre directement. Okay. Avant, je crois qu'il fallait quand même fouiller en fait. Mais ouais, on a un sac à dos qui va augmenter de 10 notre poids qu'on peut porter, je crois. Après, je crois que c'est à Ash Canyon aussi qui a les crampons. Mais bon, maintenant on peut faire des crampons nous-mêmes. Donc à la limite, ça on pourra le faire. Mais bon, il faudrait quand même le sac. Et après, je crois que c'est Black Rock, où il y a le gilet pare-balles. C'est ce qu'on avait récupéré en dernier, en fait, dans notre dernière saison. Enfin, pas exactement notre dernière saison. C'est la saison 5, en fait, qu'on avait repris. Non, si, j'ai fait une nouvelle saison. Je sais plus. Je sais plus comment j'ai goupillé ça. Mais ouais, le gilet pare-balles qui est pas vraiment très très intéressant. Trop lourd. Pas vraiment vraiment utile. Ah, donc ouais, c'était un peu bête ça. Pas vraiment utile.
Faut essayer de bien quadriller le terrain aussi, parce qu'il y a tellement de maisons, elles se ressemblent un peu. Donc c'est très très facile de passer à côté d'une. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de choses très rares. Il n'y a pas de nouvelles choses, j'ai envie de dire, pour le moment. Pas de... Si? On a des nouvelles choses ou pas? Non. Alors, on va pas trop perdre de temps à prendre du tissu pour le moment. Parce que la nuit arrive vite et on a encore plein de maisons à faire. Il faudra absolument un ouvre-boîte. Si on a un ouvre-boîte, ça nous fait quand même beaucoup de calories. Donc ça, ce serait vraiment cool. Je crois qu'on est bon. L'étage. Je vais assez vite pour pour chercher les objets, mais bon. Je connais un peu le jeu là aussi. Mais ouais, on a encore une conserve, mais il nous faut absolument un ouvre-boîte. Ouh. On va rentrer une seconde pour déposer les objets. Et après on va faire le reste le long de la route. Ouais, ça charge vraiment vite maintenant. Comparé à avant. Ok, très bien. Est-ce qu'on a du bois ou pas? Pas exactement. Bien ça. Café, on va le garder sur nous. Est-ce qu'on a récupéré? Ah oui, on a une casquette. Là, il y a 40 kilos. On peut mettre 40 kilos dans cette armoire, donc c'est cool. Si on fait ça. Ok, très bien. Parfait! Parfait, parfait! Fais voir notre vie. Notre vie, ça va, on est un peu plus de 50%, on est bien. Aussi, on est en début de notre aventure, donc c'est pour ça que je pense qu'on récupère beaucoup de conserves et elles sont en bon état. Oh. Il y avait un cadavre ici? Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. C'est bien ça. Je me rappelle plus qu'il y a un cadavre ici.
c'est bête. On a le journal. Après, ce que je projette de faire... après Milton, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose qui serait bien, c'est... Oh, encore un livre. C'est de trouver, à la limite, une hachette, si on peut. Tiens, on trouve tellement de livres. Il y avait aussi le badge là, qu'on a, récupéré. On a, pardon, sélectionné les badges au début. Là. On a 2%. Non, on a 2 degrés en plus. Et on a genre l'endurance qui augmente plus rapidement, qui revient plus rapidement. J'ai hésité à vouloir mettre le badge qui augmente genre de 10%, je crois. Les effets des livres. J'ai hésité avec ça, j'ai hésité aussi avec tous les effets de boisson, genre le café, les trucs comme ça, restent plus longtemps, genre 25% plus longtemps, je crois, quelque chose comme ça. J'ai hésité avec ça, mais bon, je pense pas que ce soit très très utile. Après, les livres, normalement, c'est extrêmement rare pour nous, on trouve quasiment jamais. Mais j'avoue que là, vu qu'ils ont un peu refait les difficultés, je pense que c'est bien, un peu plus simple peut-être pour nous. J'ai envie de dire, c'est potentiellement plus facile, quand même. Je vais être surpris, hein. Si on trouve vraiment une arme à feu, je vais être très très surpris. Après, moi, je voudrais bien trouver la nouvelle arme à feu. Je crois que c'est un fusil... C'est un peu comme le fusil de chasse, mais il est un peu moins puissant, je crois. Et je crois qu'on peut le customiser, mais je suis pas sûr. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par customiser, honnêtement. Code de travail, je vais voir un peu. Nickel. Vous voyez, là, on se débrouille avec... là, ça se passe bien. On trouve plein de vêtements différents. Après, on va faire un joli tri. On prendra les meilleurs. Les meilleurs. Et on va tous les augmenter. Mais peut-être, oui, si on trouve une hachette, à la limite, ça serait bien. Après, on n'en a pas extrêmement besoin pour le moment. Mais à la limite, vu qu'on a déjà un couteau et tout, on pourrait peut-être... Je dis bien peut-être rester ici jusqu'à crafter un arc. Et des flèches. Ce serait possiblement une bonne chose à faire. Comme ça, on peut déjà se défendre, chasser, etc. Par contre, je pense que si jamais on arrive à ça, à faire ça, je couperai sûrement parce que c'est un peu embêtant quand même. Enfin, c'est long. C'est pas embêtant, c'est long. Je voudrais bien aussi faire les vêtements de peau. Ça aussi, il faudrait commencer le plus vite possible. Genre, il nous faudrait des lapins déjà. C'est vrai que j'ai un peu...
lâcher les lapins. Mais bon, c'était pour notre survie. Mais il nous faut les peaux. Ah, là-bas, il y a des loups. Ouais, deux. J'en vois deux. Ok, la meute de loups est là-bas, en fait, des deux côtés. On l'a faite, cette... Il nous faudrait à la limite le chapka et les gants. Et après, on a des cerfs pas loin. Donc on pourrait... Honnêtement, on va potentiellement rester longtemps à Milton. C'est pour ça que je crois que je vais devoir couper un peu. Hein, parce que sinon, on va rester très très longtemps à Milton. Parce qu'en fait, on a tout à proximité. Surrounded by snow and nothing to drink. On a un peu tout à côté avec Milton. Et je voudrais bien sortir de la zone après avoir fait notre arc et au moins quelques vêtements en peau. Comme ça, on est tranquille et on peut se balader. Je crois que ça va nous aider. Et après, direction... j'aime pas trop rusher, mais... Peut-être direction la nouvelle zone. Peut-être. De toute façon, on a à peu près, je crois, 3 mois pour aller à la nouvelle zone. Avant qu'ils sortent les nouvelles encore. Je crois que c'est tous les 3 mois, on va avoir une grosse mise à jour. Donc on a quand même le temps. On a quand même le temps, ça va. Je dois bien à la limite un nouveau manteau. Ok, pas de kit d'urgence, non. Ce côté-là aussi avec les baies et tout ça. On boive un peu. Caisse à pouvoir détruire pour faire du bois. On a une batterie. Je crois qu'il faut une scie à métaux pour la batterie. On peut récupérer le plomb. On peut aller la déposer. Il faut que j'aille après à la bâtiment. À la maison. Non, on n'a pas de courrier aujourd'hui. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Par contre, si vraiment on peut... Parce qu'on a trouvé des balles. Donc ça voudrait dire que en théorie, on peut avoir une arme à feu. Point d'interrogation. Donc... Donc du coup, on va devoir gérer... On va devoir gérer, enfin pas gérer, mais récupérer du plomb et tout ça pour pouvoir faire des balles.
Si vraiment on peut trouver une arme à feu. Ok, on a une bûche calorifique, c'est pas mal aussi. J'aurais pas dû boire le... Le soda là, j'aurais dû le garder tout simplement. Pas grave. Ça fait des calories en plus pour dormir. Ok, donc maintenant si on continue vers la droite, on peut aller à la ferme. Ou alors on continue vers là-bas, c'est... Oh, t'as vu. C'est pas la zone où il y a la corde, c'est par où on monte. Je crois que c'est pour partir en fait. Enfin, ou rentrer, peu importe. Well, this stuff will come in handy. Vide les placards quand même. Les ouvre-boîtes normalement c'est pas très très rare. Je suis surpris en fait de ne pas en avoir récupéré un déjà. Ou voir trois parce que honnêtement il y a toujours partout des ouvre-boîtes. C'est pas mal. Par contre, les vêtements, on avait quoi? Ça. Très bien. Ouh. Quasiment 2 litres à chaque fois, quoi. C'est un peu incroyable. Hein, mais... Tissu. Ouais, c'est assez incroyable niveau. Il va commencer à faire nuit par contre, faut faire gaffe. Je sais pas si je vais me balader avec la viande là sur moi. Ça me fait un peu peur. Viande crue comme ça. Jeter la viande. C'est pour la... Je voulais la, en fait la déposer près de la maison. Bah, c'est ce que j'ai fait du coup. Je comptais pas avoir le loup quand même aussi vénère. Mais... Bon, maintenant c'est fait. Alors, très bien. Ok, parfait. Tout mettre dans l'inventaire, tout mettre dans le conteneur. Ah, ça c'est nouveau ça aussi, ok. J'avais pas fait attention, ça c'est pratique ça. Il est où, studio?
Il est en train de tuer tous les lapins, cet idiot. Je crois que c'est le deuxième qui tue là. Je vais voir si on peut récupérer la carcasse du premier. Bon après je veux pas tomber nez à nez sur lui aussi. Je les ai fouillés, c'est... Oui, pourquoi j'ai pas ouvert le capot? Qui c'est qui a fermé les capots? Je suis sûr de les avoir ouverts. Le problème c'est que s'ils les bouffent tous, bah... Oh putain, ça sert. Il y a cette maison à faire. Le truc qui fonce sur la voiture. Aïe 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 aïe. Par contre, descendre vers la ferme, c'est un peu loin. Et des fois, ça peut être très dangereux. Genre, on va dire que les loups, ils aiment bien se balader là-bas. Donc je sais pas si on va y aller maintenant. En plus il va commencer à faire nuit, donc c'est un peu dangereux. Oh yes, ça fait tout. Ça nous en fait 3. Après il parlait du... Je sais plus le nom. Hein. Mais il parlait d'une sorte de chose qu'on peut utiliser pour transporter beaucoup plus d'objets. Il faudrait qu'on regarde ça, si ça existe. Ou alors est-ce que ça viendra dans les prochaines mises à jour. Je sais que des gens parlaient de customisation des abris. Apparemment, c'est pas encore disponible. Donc ça c'est un peu bête. J'ai bien envie de tenter, mais on est loin. Bon, après on a des calories et on a de l'eau. Donc on peut dormir là-bas si on veut. C'est pas vraiment un problème. Et il fait pas froid, c'est bien ça. Bon, on va en profiter. Ouais, des massettes aussi. Par contre j'espère vraiment qu'il n'y a pas de loup. Milton, c'est... Au final, c'est assez dangereux.
Ah, au final, c'est quand même une zone assez dangereuse. Faut bien la connaître. Pour pas se faire prendre à revers hein, par des loups qui se cachent un peu. Y'a rien. C'est quoi ça? Ah, des écorces, ça j'avoue complètement oublié que ça existait. C'est pour faire des potions. Oui, des potions de mana. Non, c'est pour faire des thés. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, des thés. Qui vont permettre de récupérer de la vie. C'est extrêmement, extrêmement utile. Alors, d'abord, on a la grange. On a la maison. Ferme de Paradise Meadow. Lapin. Oh putain, c'est le lapin qui fait ce bruit-là. Qu'est-ce que j'ai à faire des sursauts tout le temps, quoi? Incroyable. Mais merde. Ça, c'est bon, ça. Il vient vers nous ou il parle? Putain, dis-moi qu'elle est fermée. Je crois que la clé elle est derrière, je sais plus, je sais. Yes. On est bon. Ouh la vache. Oh putain. Ah je l'ai dit hein, Milton c'est pas... Pas non plus facile hein. Pas non plus facile. C'est un peu le problème de cette zone, c'est d'y aller... faut vite faire parce que commence à faire nuit. Mais d'y aller sans armes, c'est si on connaît pas, c'est suicide direct. Parce qu'il y a énormément de chances de tomber sur des loups. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'eau et de la nourriture, donc on peut passer la nuit sans problème et récupérer plein de vie. C'est quoi ça? Oh, oh mon dieu! Yes! On a une lampe! Et il y a 0,57 dedans. Lampe tempête. On a aussi du combustible pour lampe, ça c'est cool. Fais tout, ça, une poêle, très bien. Faudrait qu'on commence à...
Comment dire, je vais y arriver. À dessiner les cartes, ça serait vachement. Putain, je vois plus rien. Je vois plus rien déjà. Mais ouais, dessiner la carte, ça nous aiderait. Oh mon dieu. Ah, il nous faut vrai, il nous faut absolument un nouveau bois, attends. Je vois rien. Il nous faut absolument un ouvre boîte. Si jamais on n'en trouve pas, honnêtement, je vais être vachement déçu. Hein, parce que ça nous fait tellement de calories gâchées. J'avoue que je vais pleurer. T'as dit? Des fois ça peut être en dessous, j'en sais rien. Oh. Allez, un ouvre-bois. Il nous manque plus que ça, quoi. Il nous manque vraiment plus que ça pour être vraiment tranquille. Par contre, là, je commence à plus voir grand-chose, j'avoue. Ouais. Je vois plus grand-chose. Je me repère un peu au nom, j'avoue. Oh, sans déconner, quoi, zéro ouvre-boîte. Oh là là. Ah, ça, c'est la misère, ça. Ah, j'ai tout oublié. Non, je vois strictement rien, c'est bien. Ok. Bah, résultat des courses. C'est très très... Ça, on a plein de conserves. C'est incroyable, j'ai jamais vu autant de conserves, quoi. On en a genre 1, 2, 3, 4 sur nous, 5. Et je suis sûr qu'on a potentiellement 5 ou 6 à la grande maison. Donc ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On dort maintenant ou pas? Peut-être faire ça. On va crafter quelques trucs avant de dormir. S'il est encore un peu, tout petit peu tôt. On va faire un pansement. Très bien, fais voir un peu. On a combien de pansements? Deux. Deux. Ouais, on voit rien. Pour coudre, il faut de la lumière, on est d'accord. Je sais plus ce qu'on peut faire dans le noir. Genre casser des objets peut-être? Je sais plus exactement. Ah, par contre, je suis content pour la lampe tempête, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, honnêtement, on a beaucoup de... On a du très bon matos. On a de très bonnes choses. Juste l'ouvre-boîte qui manque. Là, il n'y a plus que ça, quoi. On a même du café, je sais qu'on a récupéré du thé aussi. Donc, ouais.
Ça nous fait avoir très soif. On va pas manger plus qu'on a, on a besoin. On économise un max. J'ai même trop mangé en fait, honnêtement. Hop là. On essaye de récupérer le plus de vie possible. Plus on dort longtemps en une session et plus on récupère de vie. Ok, nickel. Oh, I've never been so hungry in my life. Ouais, c'est ça. Ah là, on est presque full vie. Très bon. Par contre, il fait encore un peu nuit. Je sais pas si on peut perdre un peu de temps, peut-être récupérer un peu de tissu. À la limite, je sais qu'on voit rien, je suis désolé, je vais juste aux fenêtres en fait. Quand j'en vois, pour essayer de prendre des tissus. Ah, c'est embêtant, pas de tissu. Oh la vache, je vois rien. On peut partir. Il fait vraiment froid-froid ou c'est vraiment ou c'est juste du vent? Ah ouais, quand même. Ok, ça va. Évidemment qu'on a une tempête maintenant, quoi. Chut. Casser ça à la main. J'ai plus de tissu. Pas assez fatigué. Merde. Moi je suis. Non, je suis fatigué. Je vois plus rien, désolé. Je suis dans le noir complet. Je vois rien. Laisse-moi dormir une heure, histoire que... Si jamais il y a vraiment une tempête, on va rester là, je crois. Ouais, elle a pas l'air de se calmer pour nous. Le problème, c'est que je vois rien. J'écoute les pas en fait, si on a des loups. Je sais que on a vers les hauteurs, la pile devant moi, on peut trouver pas mal de champignons. Donc ce serait pas une mauvaise idée d'aller vérifier ça, mais peut-être que... Pardon, j'ai cru que j'étais rentré. Peut-être qu'à la limite, on va rester là. On va peut-être arrêter notre épisode ici. Ouais, je pense qu'on va arrêter notre épisode ici.
C'était un bon épisode, de toute façon, on a fait plein de petites maisons et tout ça, ça s'est bien passé, on a récupéré pas mal de choses. C'est comme d'habitude, c'est juste le l'ouvre-boîte qui manque. Mais on a un début très très solide, hein. Je suis très très content. Non mais jamais on le trouvera ici, je pense. Ouais, on va s'arrêter là. Et ben résultat des courses, c'est du potable. On a le destructeur de souche. Ça aussi, on va pouvoir crafter, je crois, de la poudre à canon. Enfin, plus tard en tout cas, et puis il faut l'atelier spécialisé. Hein. Mais ouais, ça aussi c'est bien, c'est utile. On a beaucoup de nourriture en tant que conserve. Et ouais, non, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. On a beaucoup de vie aussi, on a récupéré pas mal de vie. Donc on continuera la prochaine fois. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien, faites attention à vous. La prochaine fois, on continue Milton. On va purement remonter vers le centre de Milton. Il faut qu'on aille... donc, alors, attendez, c'est... Il faut qu'on retourne... à l'église. Derrière l'orgue. Il faut qu'on regarde l'orgue. Voir ce que c'est, ces caches secrètes, là. Et après, on peut faire l'opposé, c'est-à-dire aller... Oh, la tempête qui s'arrête. L'opposé, c'est-à-dire vers l'endroit où il y a la corde, en fait, pour descendre, monter et tout ça. Et là, on pourra aussi récupérer pas mal d'objets. Il y a aussi la station-service aussi à faire. Ouais, il y a la station-service qui est vraiment très très bien aussi. Donc ouais, on a encore des très très bons endroits à faire. Et après on a les hauteurs aussi de Milton. C'est un peu moins bien, mais ça reste quand même potable aussi. Donc ouais, on a encore pas mal de choses à faire. À la prochaine, ciao ciao !